Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoulou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch il faudra se rendre dans le mode créatif de Fortnite, donc vous allez dans les modes de jeu, vous allez dans jouer à votre façon, donc la section, et là vous cherchez le mode créatif, ensuite vous le sélectionnez et vous lancez la partie. Donc en attendant que la partie se lance, ce que vous pouvez faire c'est aller dans la boutique de Fortnite et noter le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le font, franchement ça soutient à fond la chaîne, donc merci à vous. Et en attendant que ça se connecte, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et laisser un petit commentaire pour le soutien. Donc quand vous êtes dans le mode créatif, vous venez ici à un pad et vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 0 1 1 0 7 3 0 2 4 5 7 8. Et là vous mettez point d'interrogation V égale 408 pour la version 408. Très important, mettez bien la même version que moi pour être sûr que le glitch fonctionne. Alors bien entendu le code de la map sera en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Alors, ce glitch va vous permettre de gagner pas mal d'XP. C'est peut-être pas un des meilleurs glitchs, mais bon, c'est un petit glitch quand même. Et ça peut même vous rapporter de l'XP sans rien faire. Donc, je vais vous présenter ça. Donc, quand la map est chargée, ben, vous rentrez dedans. Vous attendez que ça charge. Là, le jeu vous demande, vous propose de soutenir un créateur sur Xbox, PC, PS5, PS4, Switch. Donc, si vous voulez me soutenir, vous appuyez sur le bouton triangle, soutenir un créateur. Et là, vous mettez le code créateur SCM en minuscule ou en majuscule, et si vous le faites, franchement, vous êtes les boss. Alors ensuite, vous appuyez sur option et vous allez dans paramètres, menu, et vous lancez la partie. Donc quand la partie est lancée, vous attendez tout simplement. Vous devez attendre encore 10 secondes, enfin 5 quoi. Dans l'occurrence, moi je dois plus qu'attendre que ça, hop. Donc quand vous êtes libre, ce que vous pouvez faire c'est prendre un gravin ou autre, mais vous n'êtes pas obligé. Moi ce que je vous conseille c'est de sauter tout de suite tout droit, d'aller vers le véhicule orange, enfin le véhicule, le camion tout simplement. Là vous faites une rampe, deux rampes, vous regardez au-dessus du i du véhicule, la lettre i, et regardez, il y a un petit bouton secret, donc vous l'activez. Voilà, là ça va vous donner des XP. Ensuite vous descendez. Et là, vous allez aller derrière le Secret Vault, qui est juste là. Donc là, regardez, j'ai déjà gagné 7000 XP, mais c'est pas tout. Hein. Il y a plusieurs glitches dans la map. Donc là, vous allez derrière cette petite cabane, ce truc quoi. Et là, regardez, ici, quand vous collez le mur, vous ne pouvez pas avancer. Donc vous collez le mur et vous avancez 1 mètre par 1 mètre. Normalement, ça devrait vous téléporter, voilà, comme ceci. Quand vous êtes téléporté, vous descendez tout en bas. Vous allez voir qu'il y a un petit bouton secret XP Room. Donc vous l'activez. Et là, ça va vous donner des XP encore. Donc le troisième bouton, c'est en remontant tout en haut. Donc je vais essayer un truc. Maintenant, ça ne marchera pas. Donc ce que vous faites, c'est que vous créez une rampe hein, pour monter tout en haut de la plateforme, comme je suis en train de faire. Donc là, j'ai pris encore une histoire de 10 000 XP. Donc là, on continue à monter. Parce que j'ai passé mon level 66. C'est ça, hein, 66. Ouais, je suis bien level 66. J'ai commencé level 65. Donc là, on continue à monter. Après, c'est possible que vous gagnez plus d'XP, voire moins d'XP. Ça dépend, c'est complètement aléatoire. Hein. Donc là, quand vous êtes en haut, vous allez dans le coin inférieur, donc regardez hein, où je suis plus ou moins, donc par rapport à la map, voilà, vous allez au fond à gauche juste ici
et vous interagissez avec le bouton Secret Room XP. Donc là aussi, vous allez encore gagner 10 XP. Alors ensuite, il y a un autre glitch qui se trouve dans la box bleue là-bas. Enfin, il y en a même deux. Et ce sera les deux derniers. Donc vous allez prendre le camion qui est juste ici. Vous allez avancer et vous allez... Merci. Vous allez vous rendre exactement où je suis en train de me rendre. Donc c'est à gauche du mot respawn. Vous vous placez plus ou moins par ici. Je pense que ici c'est bon. Ensuite vous montez sur le camion. Et là vous regardez après un bouton secret room XP. Donc là je l'avais vu. Hein. Faudra bien se placer. Ok, je le retrouve plus. Bon, il est un peu galère hein, celui-là. Peut-être que je me suis mal placé. On va se mettre différemment. Il est galère parce que il faut être en hauteur. Et le seul objet qui vous met en hauteur, ben, c'est le camion. Donc voilà, vous interagissez avec le bouton. Hop, vous allez regagner des XP. Et le dernier bouton d'XP, c'est à côté de la pièce bleue. Juste ici, vous avez un dernier bouton. Voilà, juste là. Et là, vous cherchez après. Hein. Attendez, où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Il est plus vers le haut. Ici. Et vous interagissez avec. Donc là, on a pris... Je sais pas combien d'XP au total. Je pense que chaque barre, c'est équivalent à quelque chose d'internet. Peut-être qu'on a pris une histoire de 30 à 40 000 XP, quoi. 30 à 40 000 XP. Après, c'est possible que vous gagnez plus d'XP, voire moins d'XP. Ça dépend. Hein, c'est un peu random, les XP sur Fortnite, enfin, en mode créatif. Soit vous gagnez beaucoup d'XP, soit vous gagnez pas beaucoup d'XP. Donc, si vous gagnez pas beaucoup d'XP, essayez un autre glitch. Donc, j'en ai présenté d'autres, hein, sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. En tous les cas, dès que vous aurez réalisé tous ces boutons, si vous voulez continuer à regagner d'XP, ben, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur Option, Menu, Arrêter le jeu. Vous arrêtez le jeu, vous appuyez sur Carré pour rejouer, ou alors vous restez dans la map et vous gagnez des XP en illimité sans rien faire. Mais sinon, si vous voulez farmer l'XP et continuer à en gagner de plus en plus, ben... Enfin, peut-être pas que vous en gagnerez de plus en plus, mais vous allez pouvoir le farmer, enfin le faire plusieurs fois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous remontrer que vous pouvez réinteragir avec les boutons. Ce que vous faites, c'est que vous refaites tous les boutons que je vous ai présentés, ben, vous les refaites. Par exemple, le I de véhicule. Hop. Voilà. Et là, normalement, vous allez regagner des XP et vous faites ça en illimité pour en gagner un maximum. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwapMec et ciao, peace.